Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir rallié cette nouvelle saison d'après-présidentielle de votre émission Dimanche politique. S'il est un sujet qui a retenu l'attention de l'opinion et nourri l'opinion nationale et internationale ces dernières semaines en République du Bénin, c'est bien. Ce n'est pas le dossier Ricky Amadougou ni les probables et prémices en vue judiciaire du constitutionnaliste et candidat recalé à l'étape du dépôt des dossiers à la présidentielle Joël Aivor, mais plutôt les verdicts de la présidentielle donnée justement par la Commission électorale nationale autonome Sénat et la Cour constitutionnelle, qui font d'ailleurs du duo président et vice-président de la République du Bénin, Patrice Talon et Mariam Chabi-Talata, élus à la majorité absolue requise des suffrages exprimés avec un taux de participation de 50,63%. Un scrutin organisé dans un climat de tension généré tant par les dispositions du code électoral, de la charte des partis politiques et justement par le toilettage de la loi fondamentale de la République du Bénin. Dans ce numéro de votre émission Dimanche politique, nous tenterons dans un premier temps d'analyser les coulisses de la présidentielle du 11 avril 2021 et de tirer par la suite les grandes leçons de ce scrutin et les perspectives et défis du premier gouvernement de Patrice Talon II. Et pour faire l'exercice avec nous, ce dimanche 18 avril 2021, c'est bien le directeur général de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, Monsieur Alessandre Ouédioclounon, qui a accepté, fait notre compagnie. Bienvenue dans cette tribune Dimanche politique sur Eden TV. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour votre disponibilité, monsieur le directeur général. Merci beaucoup. Alors, comme nous l'exigent les principes de cette émission, monsieur Alessandre Ouédioclounon, nous tenterons d'aller à votre découverte. Au-delà du directeur général connu, oui, à l'antenne, à l'écran et au ministère, mais qui êtes-vous à proprement parler? Comment en êtes-vous arrivé à la direction générale de l'Agence nationale pour des petites et moyennes entreprises? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à Eden TV de m'accueillir sur vos plateaux qui sont si proches de ma maison, mais si loin. Quant à ma À votre présence lieu de travail. régulière ici. La question est assez compliquée. Je ne sais pas par où je vais démarrer. Peut-être que je vais commencer. J'étais On ira pan par pan, pan par pan, voilà. volet après volet, Volet après volet. volet Donc, académique, volet volet académique, professionnel, volet politique. il y a tout ça. Parfait. Donc, moi, je suis Alexandre Ouédioclounon. Je suis né à Abomey-Calavi et j'ai fait l'école primaire publique d'Akassat au centre. C'est un village de la commune d'Abomey-Calavi. J'ai fait mes études secondaires au CEG d'Abomey-Calavi, qui est aujourd'hui appelé le CEG 1 d'Abomey-Calavi. Et j'ai fait l'université d'Abomey-Calavi, Ah oui. qui est juste à... Donc, je peux dire que j'ai fait toutes mes études jusqu'au niveau universitaire sur 10 km. Donc, je suis devenu ingénieur sur 10 km. Est-ce par amour à je sais pas, à Donc, sa je crois zone que... natale ou c'est un choix des parents Non, je ou crois qu'on était... qu'est-ce qui explique le fait? Non, on est peut-être un privilégié de l'État où toutes les infrastructures se trouvaient dans un rayon très proche où on n'avait pas à beaucoup se déplacer. Une chance d'ailleurs. Une chance. Donc, faire le primaire à Cassato, à 7 km, l'école secondaire, le CEG était là. Et à 4 km, l'université était déjà là et la faculté des sciences agronomiques nous a accueillis et je suis sorti ingénieur agronome de cette faculté des sciences agronomiques. Pas comme d'autres, hein, comme nous autres, par exemple, qui avons dû faire des kilomètres hein, de notre CEG, c'est Rouen à Abomey-Calavi. C'est pas si loin que ça, c'est vrai. C'est pas si loin que ça, c'est Monsieur le vrai. directeur général Oui. Alessandro Ouédioclounon, on va poursuivre toujours dans la dynamique de vous connaître davantage. Voilà pour ce qui concerne votre cursus jusqu'à l'université et à l'université et après. Bon, l'université, quand j'ai fini l'université d'Abomey-Calavi, j'ai continué mes études à l'extérieur. J'ai fait l'université de Louvain-la-Neuve, en Belgique, qui est la deuxième université européenne. J'étais aussi à Wageningen University and Research. Comme je suis agronome, c'est une université spécialisée dans l'agronomie et tout ce qui est vert. Donc, j'ai également étudié à l'université de Wageningen aux Pays-Bas, qui est une référence mondiale en matière
des sciences agricoles et des sciences de l'environnement. Et bon, il faut dire, je suis toujours resté dans mon couloir agroéconomique. Et j'ai fini à l'université de Jérusalem, où j'ai pu quand même apprendre là, les techniques affinées de micro-irrigation et de fertigation au niveau des plantes. Donc j'ai un parcours bien agricole. Et donc tout au long de ce parcours, j'ai eu beaucoup, un certain nombre de diplômes dans ces différentes universités. Et ça me permet quand même d'être aujourd'hui, on peut être considéré comme un cadre supérieur du développement rural de notre pays. Voilà ce que je peux dire pour mon parcours académique. Au plan professionnel, j'ai fait beaucoup d'institutions, beaucoup plus d'institutions internationales. Et je peux dire que c'est mon premier poste public. Et le poste de directeur général de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises. Donc je peux vous dire que j'ai travaillé à Volkswagen Foundation et pas au Bénin, j'étais à Sikasso au Mali. Et pour faire de l'entrepreneuriat avec les producteurs maraîchers de la ville de Sikasso au Mali, j'ai fait quelques années là-bas. Sikasso, Bobo, Sikasso et Bobo Dioulasso. Et bon, je suis revenu, je suis rentré au Bénin. J'ai même baroudé un peu à la mairie de Calavi pendant quelques mois. J'ai été directeur du développement local à la mairie de Calavi. Mais je suis retourné à mes amours de la coopération internationale, chargé de programme à la coopération belge, conseil technique à la coopération allemande, à la GIZ, et travaillé à Bonnefontaine. Il faut dire que j'ai beaucoup plus travaillé dans le véritable fruit des organismes internationaux. Oui, et la thématique sur laquelle j'ai le plus travaillé, c'est le développement local, c'est l'entrepreneuriat, c'est les filières agricoles. C'est tout ce qui est relatif beaucoup plus à l'économie verte, au changement climatique, des questions qui relèvent beaucoup plus du développement économique et du développement en général. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur le parcours professionnel. Au plan communautaire, il faut dire dans la commune d'Abomey-Calavi, j'ai présidé un certain nombre d'associations de jeunes, jeunesse scientifique et point de développement durable, jeunes du Sud. Un certain nombre de choses qu'on a mis en place pour animer la vie communautaire. Autre chose, je suis toujours dans le cadre de la vie communautaire. Je suis voleur, pratiquant. Je suis le président du club Les Amis de la Zopa. Bien, je suis sportif. J'ai fait tout le parcours, cadet, junior, senior, dans le championnat national de volleyball. J'étais quand même champion scolaire de volleyball au moins à 4 reprises, au moins champion scolaire de l'Atlantique au moins à 4 reprises. Donc, j'ai un petit parcours au plan sportif aussi. Et si je n'ai pas eu des problèmes de fracture, peut-être que j'aurais fini dans un championnat européen. J'étais un bon milieu offensif du village d'enfants SOS quand j'étais au secondaire. Donc, au plan sportif, j'étais aussi très actif. Et maintenant, bon, c'est seulement les ripopos de dimanche, on joue entre les anciens voleurs, même si je ne suis pas si ancien que ça. Un mot, je dirais du volet politique. Je suis engagé politiquement depuis le collège. Et là, je suis actuellement, je suis membre fondateur de l'Union progressiste. Et c'est tous ceux qui étaient à l'Union fait la nation, on a fait que... Vous profitez de l'ombrage du Baobab. Non, en fait, c'est l'UN. L'UN est une des composantes fondatrices de l'Union progressiste. Donc, je suis de l'UN. C'est normal que je sois rapidement mis dans l'Union progressiste. Et le parti avec lequel j'étais dans l'Union fait la nation, c'était Force Clé. D'accord. Voilà, donc Force Clé, Union fait la nation et... Union progressiste aujourd'hui, je suis un membre fondateur et un militant actif dans la commune d'Abomey-Calavi. Monsieur Alessandre Ouedjoklouno, nous n'allons pas ouvrir le grand chapitre politique sans en apprendre davantage de votre département, de votre, je dirais, agence que vous dirigez de main de maître depuis quelques mois ou années déjà. Dites-moi, c'est... Quoi l'ANPME, l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, de quoi s'occupe l'agence? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'ANPME, c'est une agence d'État
qui est là pour rendre compétitives les micro, petites et moyennes entreprises, afin qu'elles puissent faire face à la concurrence nationale, sous-régionale et internationale, en positionnant des produits et des services de qualité. Donc l'agence se sert de capaciter nos entreprises pour les rendre vraiment opérationnelles, pour pouvoir produire des, pour pouvoir offrir des produits de qualité, pour pouvoir offrir des services de qualité et de permettre à la concurrence et de faire des substitutions facilement des produits à l'importation, tous les produits que nous importons. Nos produits peuvent les substituer très facilement. Ah oui. Et c'est le rôle de la NPME de capaciter nos entreprises. Donc nous leur apportons tous les appuis nécessaires pour les rendre fortes, pour les rendre compétitives sur le marché national, sous-régional et international. Mmh. Et il faut entendre par micro, petite et moyenne entreprise, toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 2 milliards de francs. Et ça englobe la plupart des entreprises de notre pays. Il y a une petite frange qui échappe aux 2 milliards de chiffre d'affaires hors taxes chaque année. Donc c'est cette gamme d'entreprises que nous capacitons, que nous renforçons au jour le jour en apportant des services financiers, des services non financiers et en faisant du lobbying avec les autres acteurs de l'écosystème des PME pour leur permettre d'être vraiment fortes et pouvoir résister à toutes les entreprises concurrentes, étant donné que l'économie mondiale est déjà suffisamment large. Nos entreprises doivent pouvoir s'insérer dedans et être des champions nationaux qui compétissent à l'international. Donc c'est ce rôle que nous jouons au niveau de l'ANPME avec toute l'équipe de l'ANPME et tout le ministère en charge des PME, en collaboration avec tous les autres ministères sectoriels, le ministère des Finances, le ministère du Plan. Voilà autant d'acteurs qui renforcent tous les jours les capacités de nos entreprises pour les rendre vraiment dynamiques. C'est ce travail que l'ANPME fait aujourd'hui. Parlons maintenant politique. Après le volet technique, parlons maintenant politique, puisque c'est cela, je dirais, l'objectif principal de cette tribune, M. Alexandre Ouédjoclounon. Monsieur le directeur général, on va s'intéresser maintenant à ce qui fait l'actualité du moment, l'élection présidentielle. On va démarrer d'abord par, je dirais, le dernier volet de ce scrutin présidentiel, de la Sénat à la Cour constitutionnelle. Nous ferons ce périple rapidement en quelques minutes avant d'aborder d'autres sujets. De la Sénat à la Cour constitutionnelle, vous l'avez suivi en l'espace de 72 heures, eh bien, les deux institutions ont confirmé l'élection du président, du duo président et vice-président, Patrice Talon et Mariam Tchabi Talata. Quelle lecture en faites-vous? D'abord, c'est un véritable sentiment de fierté, un sentiment de dignité nationale, et c'est une affirmation du prestige de l'État. Lorsque je prends au plan technique, au plan gouvernance financière, comment ces élections se sont passées, et il faut tirer un coup de chapeau au gouvernement, un coup de chapeau à la Sénat, un coup de chapeau à l'armée, un coup de chapeau à nos populations qui ont bravé toutes les velléités pour que ces scrutins aujourd'hui nous donnent le résultat que nous avons. La Sénat a monté tout un professionnalisme en organisant ces élections sans quelque anicorche au plan technique. On n'a pas senti quoi que ce soit au plan de la logistique, au plan du déroulement du processus. Nous avons vu un gouvernement à l'écoute. Pour la première fois, on n'a pas vu le balai pour commander des ressources pour pouvoir organiser des élections d'intérêt national. Le gouvernement a mis tous les moyens à la disposition de la Sénat, c'est à notre actif. Et on a vu une armée très professionnelle qui est venue au-dessus de toutes les velléités djihadistes et terroristes que nous avions relevées pour empêcher cette élection. Djihadistes, c'est pas trop fort. On a vu également une population attentive, une population calme et patiente qui a été aux urnes sans s'occuper des intoxications, sans se préoccuper des menaces. Et au bout du rouleau, nous avons les félicitations de la population à 5 ans de gouvernance de qualité. Le taux de participation, vous l'aviez dit vous-même, c'est plus de 50%. 50% de la population, malgré les menaces. Je m'en tiens aux chiffres avancés par les institutions. Ce sont les vrais chiffres.
ce sont les vrais chiffres. Et tous ceux qui ont une petite once de statistique peuvent rapporter ces chiffres et calculer. Et vous avez vu qu'il y a des communes qui ont atteint des taux de participation de plus de 80%. Toutes choses égales par ailleurs, la moyenne statistique de ces élections est bel et bien vérifiable et statistiquement correcte. Mmh. Oui. Et là, je voudrais dire que c'est une confirmation de l'appréciation de la gouvernance que nous avions vue depuis 2016 et qui a permis au duo Talon-Talata de voir que 86% de ces gens qui ont participé à l'élection ont choisi ce duo. Ce sont des lauriers. Vous venez là de donner une précision importante. Vous avez bien dit 86% de ceux qui sont sortis ce jour-là et non de ceux qui sont inscrits sur les listes. On a 50% des inscrits qui sont allés voter. Mmh. 86% de ces 50% ont dit au chef de l'État « Merci pour le travail abattu. Vivement que tu continues ce travail pour les 5 prochaines années. » C'est hautement significatif dans une démocratie. Mmh. Oui. Mais ce ne fut pas sans peine. Quand on remonte encore à ce dimanche pour refaire une partie de cette histoire, nous l'avons vécu ici, live and direct, comme on le dit, hein. Les différents correspondants positionnés dans les différentes contrées du pays nous ont fait le point unanime de ce que l'engouement n'y était pas. Il n'y avait pas l'engouement des jours de vote ordinaire. C'était timide. Qu'est-ce que vous mettez dans l'engouement? Les gens ont été stressés. On les a menacés. On a lancé des communiqués pour demander de ne pas aller voter. Les réseaux sociaux étaient envahis par des menaces de vous à moi. Est-ce que ce serait la joie au cœur de marcher de chez moi et d'aller aux urnes? Je crois que ces 50% sont à décorer. Et si la quiétude était partout, on aurait eu un taux de participation supérieur à ce taux-là. Mmh. Et ces gens qui sont allés voter, il y a beaucoup qui voudraient bien voter. Il y a eu beaucoup de tentatives d'intoxication, beaucoup de menaces. Et tout ça a émoussé un tout petit peu les ardeurs des gens, les témoins au chef de l'État. Mmh. Et là, vous avez dû voir qu'il y a beaucoup de marchés qui ont eu lieu ce jour. Ça veut dire que des dispositions et autres n'ont pas été suffisamment prises à certains niveaux pour permettre aux gens d'aller effectivement voter. Et pourtant, nous avions eu ce taux de participation de plus de 50%. On a des élections où les gens à moins de 10-20% ont validé le scrutin. Mais ce que nous avons vu dimanche dernier est la réponse à la pagaille que beaucoup voulaient installer. C'est une réponse à la gouvernance de qualité du chef de l'État depuis 2016 qui affronte des défis majeurs pour que le Bénin puisse se mettre sur l'orbite des États respectés et développés du monde. Monsieur Alessandre Rougeau-Clounon, oui. Sans transition, ouvrons le deuxième chapitre de cette émission, des violences préélectorales et l'opposition. Faites-vous le lien, comme tout autre personnage de votre camp, que les violences sont d'office liées à l'opposition? Il n'y a pas de camp en matière de sécurité humaine. Vous constatez que vous êtes agressé, il n'y a pas un camp. Des Béninois qui affrontent d'autres Béninois, là, il n'y a pas de camp. Ça peut être n'importe qui. Mais lorsque j'analyse ce qui s'est passé ce dimanche, enfin, bien avant le dimanche, puisque depuis le 6 avril déjà, les velléités de violence, les velléités de coupure d'une partie du pays ont démarré, vous allez remarquer que c'est une vieille stratégie. C'est ce qui s'est passé déjà en 2019. C'est le même film qu'on a essayé de reproduire. Cette fois-ci, c'est un peu plus corsé. Oui, et cette fois-ci, ils ont mis beaucoup plus de méthodes. C'est beaucoup plus stratégique. Ils ont associé la violence à des faits légaux, à un battage médiatique, à l'international. Vous avez vu que la presse internationale apportait du soutien. On a vu des reporters dans la zone de turbulence qui n'étaient pas sur nos chaînes à nous, mais sur des chaînes internationales
les images ont circulé. On ne va pas appeler de nom de médias internationaux ici. Mais vous avez vu, donc, il y a tout un côté communication bien organisé, tout un dispositif d'insécurité avec des violences dans un certain nombre de communes ciblées qui l'avaient déjà fait une fois. De l'autre côté, il y a même tout un arsenal juridique qu'ils ont mis en place pour faire des recours. Donc, vous voyez, donc, une batterie d'outils pour déstabiliser le processus électoral depuis le 6 avril dernier. Je ne voudrais pas disculper ces médias internationaux que vous évoquiez tantôt, M. Alessandro Ruggioclou, non, mais quand il a été question d'évoquer depuis 5 ans les sujets d'importance capitale, ce sont ces médias qui sont appelés en première place, au détriment de la presse locale. Non, je ne crois pas. La presse locale a toujours été privilégiée pour faire quand même le point. C'est juste une petite parenthèse. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous l'avez suivi. Vous l'avez suivi. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est ces médias. Invité à la plus haute instance de l'État et à qui on le chef de l'État a fait régulièrement des exercices avec la presse du Bénin. Vous avez fait des exercices avec le chef de l'État. Oui. En direct, parfois. Mais le privilège. Et je priorité. Crois c'est une approche aussi, c'est quand même de montrer aux Béninois de la diaspora, aux investisseurs, et tous ceux qui mettent un petit franc dans le Bénin, comment ça se passe. Et faire recours aux médias. Je vous souffre dans cette petite parenthèse qu'on va vite fermer que toutes les chaînes au pays sont sur satellite et sont appartiennent bien à des bouquets, sûr. Donc sont suivies avec aise à l'international. Je suis d'accord. Donc, point besoin, il n'a pas besoin non, de... Non, pour varier l'audimat, pour varier un peu l'audimat. Fais bon. Vous avez compris que ce que le chef de l'État fait est tout à fait logique et travaille beaucoup avec vous. Fais bon aussi vite que nous l'avons ouvert ce volet. Monsieur Alessandro Ruggioclou, on parlait des violences et je vous demandais s'il faille, s'il était intellectuellement... vérifier, de faire ce lien, d'établir ce parallélisme avec l'opposition, enfin, entre les violences et l'opposition. Oui, mais il n'y a pas d'évidence à ce niveau. Et si vous avez bien suivi le message, il y a eu des appels à la violence. Notre armée a été qualifiée par des opposants fuyards, fugitifs, qui se disent exilés. Ces opposants ont demandé, ont même dit que notre armée est inconsciente, qu'il faut renforcer les chasseurs, des choses très graves qui ne peuvent pas être dites par des personnes qui ont assumé dans ce pays des responsabilités. Je trouve que là, on a un peu dépassé les bornes. On a franchi le Rubicon pour ce qu'on a déjà construit en matière de cohésion nationale. On a dépassé les bornes pour tout ce qu'on a fait pour la sécurité humaine au Bénin. On a dépassé les bornes pour le bon voisinage. C'est vrai qu'on peut se permettre toute forme d'intrigue politique, mais jamais un affront à l'armée nationale. Ils portent l'uniforme, hommes ils ont qui le drapeau. Qui se sacrifient pour la sécurité. Je ne sais pas si vous avez vu les images, Bénin. Le chef de l'État a été voir nos forces armées blessées, nos forces armées dans des conditions de santé un peu quand même dramatiques. C'est ahurissant que des Béninois est tiré sur d'autres Béninois avec des armes de guerre. C'est comme si moi, j'osais, c'est une manière de violer l'uniforme, de violer le drapeau national. Et je pense que les solutions que nous avons utilisées en 2019, pour dire on pense nos plaies, on se retrouve, on se calme, on se réconcilie, on dialogue. Moi je crois que ces gens de dialogue relèvent parfois de l'hypocrisie collective. Les soutiens d'une manière ou d'une autre, je crois qu'il est temps quand même que chacun paye pour ce qu'il a fait. Parce que c'est impensable que des Béninois tirent sur d'autres Béninois, qui plus est, ceux qui ont été formés pour assurer notre sécurité, nous avons osé tirer sur eux. C'est très grave. C'est extrêmement grave. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Et ce que je voudrais demander, c'est qu'on fasse carrément un nettoyage et que les responsables. Mais doit-on prioriser le nettoyage, comme vous le dites? Non, le nettoyage, c'est très simple. Pour prendre votre balle au bon, hein, doit-on non, le nettoyage, c'est pas aussi. Doit-on privilégier, je dirais, enduire l'ascension tout de suite ou doit-on d'abord... ne devrons-nous pas penser plutôt corriger cette atmosphère de psychose, cette atmosphère, cette crise de confiance entre les différentes sensibilités politiques à travers une assise? Puis penser après
au registre que vous suggérez? Non, là, c'est comme si il y a eu des faits, on s'en occupe pas. Je crois qu'il y a la séparation des pouvoirs au Bénin. Et les justiciables ont besoin de réponses. Ce volet lié à la justice n'a qu'à faire son travail. Il y a eu des violences, il y a eu des coups et blessures volontaires. Le chef de l'État l'a dit, les responsabilités seront situées. Il y a eu des tentatives d'assassinat de forces armées béninoises. C'est quelque chose de très grave. Il faut que les responsables. Il y a eu d'atteinte à la sécurité de la nation. Oui, à la sûreté de l'État. Il y a eu atteinte à ça. Je crois que les responsables doivent en répondre. C'est quelque chose de tout à fait normal dans une république. Et après, les autres questions liées à la réconciliation nationale, si réconciliation nationale, on a besoin. Parce que là, c'est des règles fixées par le. Vous savez qu'on en a besoin. C'est des règles fixées par le constitutionnaliste. Et le premier document d'un pays, c'est la loi fondamentale de ce pays, c'est la constitution. Et toute personne politique futile qui se met en travers n'est pas un démocrate. Je suis d'accord qu'on soit contre le contenu d'une constitution. Mais l'idéal pour nous, c'est d'aller aux urnes et de dire maintenant, on a le pouvoir, on a la majorité, nous changeons ce qui est faux dans la constitution. Mais on ne peut pas prendre la rue, prendre les armes, utiliser les médias, utiliser des badauds, des chasseurs, je sais quoi, des armes de guerre pour revendiquer quelque chose qui est écrit au plan constitutionnel. Le Bénin, il y a longtemps, le Bénin n'a même jamais fait ça depuis 1960. On n'a jamais pris les armes pour changer la constitution. Tel que vous parlez de l'utilisation des médias, je suis tenté encore d'ouvrir cette parenthèse, je la maintiens fermée. Non, laissez les médias. Ce sont de bons vecteurs de l'information. Mais est-ce qu'il ne faille tout de même pas penser, se permettre ou se risquer à croire quand même qu'il y a une partie de cette opposition responsable, droite quand même, et républicaine? L'opposition a des règles. Parce que j'ai tendance. L'opposition a des règles, l'opposition a des normes. L'opposition qui suit les tests de la République. L'opposition qui a le sens de la constitution. Vous avez tendance à résumer toute l'opposition à cette barbarie. Non, pas du tout. Il y a une frange de l'opposition qui a le sens de la constitution. Il y a une frange de l'opposition qui lit les tests et qui travaille à les changer pour que les tests ressemblent à ce qu'eux auraient aimé. C'est ça le rôle de l'opposition. L'opposition doit toujours dire, ok, gouvernement, vous êtes toujours dans le décor, vous avez perdu le nord à tel niveau. On règle les choses comme on peut. Mais ce n'est pas une opposition qui utilise des moyens dangereux pour se faire entendre. Et vous avez vu quand même, il y a des opposants qui ont participé aux élections. Il y a des opposants qui sont allés voter. On est dans des villages, on est dans des communes, on a des amis qui sont opposants. Il y en a qui ont promis l'alternance et qui ont cru, qui se sont battus, mais en vain. Voilà des opposants qui ont le sens de la Constitution. Et ils méritent respect. Et c'est des gens que j'invite la population à suivre et à écouter. Mais on vous dira que la vraie ou la grande opposition n'y était pas. Là, c'est l'autre débat. Vous pouvez nous en donner quelques noms? C'est moi, je vous demande. Revenons encore au scrutin présidentiel. Et intéressons-nous un tout petit peu pour tenter de croiser chaque duo. C'est un bref exercice, osé tout de même et délicat. Justement, ça fait la transition parfaite avec ce que nous disions tantôt, des duos en lice. Oui. Des duos en lice. Le duo de la mouvance, le seul d'ailleurs, Patrice Talon, Mariam Tchabitalata, et les deux autres duos, le duo FCBE, le duo RLC. Le match n'était-il pas déséquilibré au départ? Non. Moi, je n'ai pas vu le match déséquilibré. La preuve, nous avions vraiment travaillé pour que le message des deux autres duos ne passe pas, ne soit pas bien écouté par la population. Ah oui. Ces deux duos proposaient l'alternance. L'arrêt du processus démarré en 2016. Il faut démontrer aux populations que ce n'est pas le moment de marquer un arrêt. On doit continuer. Il faut rappeler que les deux duos, c'est quand même la FCBE. La FCBE qui, depuis 2007, a été au pouvoir. Et qu'on a dû mettre en bémol en 2016, quand leur candidat a échoué
à l'élection présidentielle. C'est quand même la grande force FCBE qui avait la majorité dans ce pays, vous vous rappelez bien. Alors, c'est en face... Vous parlez des FCBE d'alors. FCBE... De la grande famille FCBE. On peut toujours voir quelques leaders qui ont déserté. La FCBE telle que c'est actuellement est quelque peu délabrée. Oui, on peut le dire. Diminuée. Beaucoup de FCBE ont rejoint. Réduite à quelques têtes, je ne dirais pas. Non, ne voyez pas les têtes. Moins influentes, mais. Vous savez que c'est la troisième force aujourd'hui au Bénin. On a fait les élections communales. La FCBE a eu des mairies. La FCBE est opérationnelle sur le terrain. La FCBE a gagné des communes. Mais pas comme alors. Oui, mais c'est normal que les dynamiques que nous avions eues au niveau des partis politiques ont fait en sorte qu'il y a beaucoup d'anciens FCBE qui se sont reconvertis à l'UP, au BR, et même dans les démocrates et d'autres forces, UDBN et consorts. Donc c'est la dynamique que nous avions observée dans l'évolution des partis politiques. Et c'est normal qu'un parti qui a été au pouvoir soit aujourd'hui... en troisième position ou en quatrième position. Mais donc, en face du président Patrice Talon, il y avait quand même des hommes politiques qui ont un parcours qui était là. Moi, je le voyais depuis que j'ai commencé à coller les affiches. Hein. Je ne sais pas qui est là et qui soit quelqu'un de nouveau. Il n'y a personne qui soit nouveau. Le Corentin Kaoui, moi je vois Corentin Kaoui depuis très longtemps, au PSD, avec Oui, mais vous savez qu'on peut faire, les coulisses des partis politiques. On peut être aux affaires, on peut être préfet, on peut être ministre, mais sans valoir un pet de lapin hein, dans le landerno politique béninois. On ne peut pas dire ça pour Corentin Kaoui. Non. On ne peut pas dire ça pour Irénée Agossa. Vous savez que tous les préfets n'ont pas, la même côte. Alassane Djemba, d'accord. Ah non, Corentin Kaoui a été l'un des grands leaders du PSD dans ce pays. Et on ne lui faisait pas ombrage. Irénée Agossa, vous l'avez vu depuis l'université. Il a toujours été un militant politique. En premier rang. Le nationaliste connu. Le nationaliste réduit récent. À la taille du concept. Non, mais c'est récent cette affaire de nationaliste-là. Non. Ne dites pas que c'est avec le nationaliste que Irénée Agossa a commencé la politique. C'est pour vous dire, et derrière eux, ils sont membres. Enfin, il y a eu quelques jeux de coulisses avec les démocrates qui ont positionné, ils ont téléporté des candidats qui n'étaient pas annoncés au départ, qui n'étaient même pas. Dans leur organisation initiale, tout ça, avec tous les remous que ça a eu. Mais chacun de ces duos a derrière une certaine base, un lot de militants engagés pour faire l'alternance. C'est nous qui les avons vus sur le terrain. Ils sont leur stratégie, ils ont travaillé. Et ne croyez pas qu'en face du président Patrice Talon, c'était que des petits candidats, pas du tout. Vous prenez certains bureaux de vote, vous allez voir que mon candidat, mon duo a été battu dans des bureaux de vote, pas certains duos. Ah oui. Bien sûr. Monsieur Alessandro Jacques-Loulon, quand j'évoquais le déséquilibre entre ces trois duos, vous semblez ne pas admettre le déséquilibre. Je parle de déséquilibre. Vous savez, on a couvert les déséquilibres en matière de programme. Je suis d'accord que vous parlez de déséquilibre. En matière d'occupation de terrain, en matière de cadre influent, en matière de moyens aussi. On a vu ce que l'arsenal, c'est-à-dire tout le bruit qu'a fait la mouvance présidentielle. On a vu l'occupation de terrain. Pendant ce temps, d'autres étaient presque absents. Est-ce pour des raisons de moyens? On ne peut pas dire que ces candidats étaient absents. Je n'ai pas vu une seule commune au Bénin où ces candidats n'ont pas été opérationnels. Il n'y a pas eu une seule commune au Bénin où les candidats ont eu zéro. Jamais, vous ne verrez pas. Vous savez qu'on est à au moins 35 km ou une trentaine de kilomètres de la place de l'Étoile Rouge de Cotonou, à Glodjigbé où nous Tout sommes. À fait. Vous savez, oui. quand on s'écule d'ici de Glodjigbé à la place de l'Étoile Rouge, on sait combien d'affiches, de grands panneaux hein, à l'effigie de le chef de l'État. Enfin, je veux parler du duo de la mouvance. On pourrait compter.
Mais il faille compter peut-être une bonne centaine avant de trouver, je ne sais pas, bon, afficher. Non, je suis d'accord avec vous. À la taille d'un papier RAM. Il faut voir ce qui s'est passé. Il faut dire aussi que le bilan du candidat Patrice Talon et toutes les forces qui l'entouraient, c'est-à-dire le BR, le Bloc républicain, l'Union progressiste, l'UDBN, MOEL et tous les mouvements. C'est vrai que ce bilan a convaincu plus de forces politiques que les deux autres. Le président Patrice Talon... Mais les deux autres n'avaient pas de bilan à défendre. Ils n'avaient aucun bilan à défendre. Le président Patrice Talon... Les deux autres lui avaient juste à convaincre. Voilà. Donc, il faut dire... Ce que vous avez vu prendre... Par contre, vous avez à mettre dans la balance, par exemple, les rues asphaltées, microcrédit à la FIA et autres. On a de la matière. Ça participe du déséquilibre du jeu. Je suis d'accord qu'au plan technique, au plan du contenu, de tout ce que nous on a comme passif, tout ce qu'on a au départ, à montrer à la population, nous sommes largement en avant sur les deux candidats. Mais ça ne fait pas deux des petits candidats. Ils peuvent toujours... Ils avaient à dire qu'on a mal fait un certain nombre de choses. Ils avaient à dire qu'ils le faisaient mieux que nous. Ils ont eu leur élément de langage. Mais on a été plus convaincants. On a été plus présents. On a été plus dynamique envers les électeurs. Et le résultat est là. On a eu 86% de la moitié des électeurs inscrits sur la liste. C'est des scores rares. C'est des scores qui montrent qu'un travail de fond, d'abnégation, de courage et d'audace a été conduit par le président Patrice Talon et son équipe de 2016 à 2021. C'est vrai que parlant des duos et d'éléments de langage, comme vous l'évoquiez tantôt, il y en avait un qui avait un élément de langage qui n'est pas des moins pertinents, restaurer la confiance avec le peuple. Un élément de langage qui aurait pu faire mouche. Enfin, si vous n'avez pas un peu trop occupé le terrain, si vous ne les avez peut-être pas trop perturbés dans l'occupation de terrain et dans la confrontation des arguments. Non, si vous regardez bien, et nous avions fait un travail convivial avec tous les autres candidats. Il n'y a pas eu de brutalité. On n'a pas empêché un candidat de travail. On n'était pas si envahissant que ça. C'est vrai qu'on avait de la méthode. Parfois, on était tenté de penser que vous versez dans la démesure. Non, en fait... Dans l'occupation de terrain. Pas dans la... Le déploiement des moyens. Pas dans le déploiement des moyens. On avait un message. On avait un contenu de programme. Et là, ceux qui voulaient restaurer la confiance... C'était un message un peu déplacé quand même. Quelle confiance ils veulent restaurer? La population a déjà confiance en le duo. Je suis d'accord. C'est même normal qu'il y ait une partie de la population qui ne soit pas d'accord avec nous. C'est aussi un élément de motivation pour aller plus loin et les convaincre. Mais d'ores et déjà, une bonne... Vous avez vu, je continue de vous donner les statistiques par rapport à ces élections. 86% de la moitié des inscrits qui ont voté ont choisi la poursuite de l'efficacité, de l'efficience au service de la population. Et ça, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Oui, on peut continuer l'analyse sous d'autres angles, comme quoi si les en griffe vrais leaders de l'opposition... Donnez un nom, par exemple. C'est vous qui faites les six, monsieur Alessandro Gioclou. Non, c'est pour vous dire que ce que vous appelez vrais leaders... Si vous sortez le nom, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose dans ce que vous mettez dans ce vrai leader. Il y a des gens qui, bon, vous nous font voir une vue d'esprit. Vous imaginez un comique coutier au pays. Vous imaginez Sébastien Germain à Diavon au pays. Le match ne serait pas aussi aisé. Vous l'auriez peut-être gagné, mais pas... On les a déjà eus en 2016. On les a battus. Et on a été au pouvoir pendant 5 ans. Ils savent par avance que ils ne pouvaient rien faire. Mmh. On les a déjà battus une fois, on sait comment on les bat. Et cette fois-ci, on a affiné nos stratégies, comme Ikoutier, Adjavon, qui encore. Moi, je ne les vois pas nous perturber outre mesure. Vous parlez des cadeaux de l'opposition quand même. Vous parlez des baobabs. Hein. Ça fait partie des têtes de pont. Non, le baobab, je ne vous apprends rien. Le baobab, c'est au niveau de l'UP. Et le président Patrice Talon est assis sous ce baobab et rien ne lui arrivera. Alessandro Ouédiokloulou, on va anticiper sur le prochain mandat, en attendant d'aborder le gouvernement, les couleurs possibles du prochain gouvernement, qui peut-être ne va plus tarder.
Le prochain mandat, selon vous, sera-t-il placé sous quel sceau? Non, vous le savez, c'est ce qu'on a eu à développer pour la population. Nous poursuivons ce que nous avions commencé. Ça veut dire quoi? C'est les réformes. Donc la continuité dans la rupture. La continuité dans la rupture, la continuité dans le nouveau départ que nous avions commencé en 2016. Nous poursuivons et nous engageons de nouveaux chantiers. Alors, nous poursuivons quoi? Nous poursuivons les réformes. Les réformes au niveau de l'administration, au niveau de la gouvernance des finances publiques, les réformes pour le climat des affaires. Aujourd'hui, j'espère que vous savez que le Bénin, c'est le pays au monde où pour créer son entreprise, on met moins de temps. C'est le pays le plus rapide au monde où on crée son entreprise. Si vous allez au niveau de l'administration aujourd'hui, il y a eu 167 services qui sont totalement Mais il suffit pas de la créer, c'est votre monde, vous le savez. L'entreprise, il ne suffit pas de la créer. Il faut pouvoir, si vous voulez, nous allons la faire vivre, bien sûr, sans être asphyxié par les impôts, sans croupir sous le poids des impôts. Non, je vous donne juste les grandes thématiques sur lesquelles les réformes vont se poursuivre. Vous aviez vu tout ce que nous avions réalisé au niveau des infrastructures et des facteurs de production. L'eau pour tout le monde. Aujourd'hui, on est déjà très avancé. Et d'ici 2 ans, il n'y aura pas ce Béninois qui n'aura pas d'eau. C'est-à-dire d'ici 2023, tous les Béninois auront accès à l'eau. Nous sommes à plus de 75% déjà. Depuis 1960, si vous savez le tout en 2016. C'est un bon présage. Très bien. Alors, en matière d'électrification, d'ici 2023, tous les arrondissements de notre pays seront électrifiés. Ne parlons plus de l'amélioration du cadre de vie. L'asphaltage va se poursuivre, le bitumage des routes, ça va se poursuivre. Et je parlais tantôt... Mais tout cela pour des hommes? Non, ce n'est pas fini. D'accord, je vous laisse. C'est ce qu'on va continuer. Réforme, infrastructure, amélioration des facteurs de production. L'électricité aujourd'hui est raccordée gratuitement aux PME, vous le savez. Il y a beaucoup de... Les tribunaux de commerce fonctionnent. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement fait. Il faut dire que lorsque vous n'ouvrez pas le capot pour voir d'où on est parti, et d'où on est et où on est aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre cette phrase. Quand le duo Talon-Talata dit « Nous venons de loin, nous irons encore plus loin », on ne peut pas voir tout ce qui s'est passé. C'est vrai que le gouvernement communique sur les pages du gouvernement. Si vous aviez accès, vous êtes dans du concret, utile aux populations. Alors, au-delà de toutes ces réformes, de toutes ces infrastructures qui vont densifier le paysage national, le chef de l'État a été clair. J'étais en échauffement. Maintenant, je monte sur le terrain. Et il a ajouté ceci. C'est maintenant le match s'en va commencer. Ça y est, le développement. Le développement, ça y est, c'est le slogan. Et vous le savez. Et là, il a dit quelque chose. Il dit, bien, je vous avais annoncé que nous allons faire des réformes, nous allons faire des infrastructures, nous allons améliorer les facteurs de production. Mais à partir de maintenant, nous allons continuer avec ça, mais les poches de chacun vont également profiter de la croissance économique. Ça veut dire quoi? Le bien-être individuel vient au centre des débats. Ça existait déjà, hein, le microcrédit à l'AFIA, les soins de santé avec le programme ARCHE, un certain nombre de choses. Il va plus loin cette fois-ci pour dire que la poursuite des mesures individuelles, des mesures sociales spécifiques pour créer de la richesse, et cette fois-ci, la création de la richesse est pour chacun. La création d'emplois, l'amélioration des conditions de vie. Et lorsque vous regardez très bien le contenu de tout ce qui sera fait au plan entrepreneurial, au plan de valorisation du secteur privé, au plan de l'assurance, au plan de l'emploi, vous allez voir que l'homme est au centre du prochain quinquennat du président Patrice Talon. C'est l'une des plus belles phrases que le Béninois veut entendre, je pense, de nos jours. Et vous le savez. Bien sûr, c'est le cas. Vous disiez tantôt que le duo de la mouvance a eu à préciser que le gouvernement vient de loin et s'en va encore plus loin. Mais
La distance ne justifiera pas la fin. Il faut y aller avec les hommes. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas s'y rendre seul. Vous avez vu depuis 2007, il n'y a que les hommes qui sont au cœur du système. Et vous avez vu depuis 2016 comment la promotion des jeunes est faite, comment la femme est au centre de la prise de décision. Vous avez vu le nombre d'élus communaux, mais eux à élus. Vous avez vu comment les femmes sont... L'homme est au centre de ce que fait le président Patrice Talon depuis 2016. Et cette fois-ci, ça ira encore plus loin. Cette fois-ci, c'est le bien-être individuel. C'est-à-dire comment chacun se sent. Le chef de l'État s'est occupé et pendant les 5 premières années de tout ce qui était relatif aux infrastructures pour tout le monde, s'occuper des réformes pour le climat des affaires, comment on fait les choses mieux, les grèves qui empêchaient l'école de tourner, le centre de santé d'être utile aux populations. Et à côté de ça, il y a eu des programmes, des petites réformes pour... Maintenant, il va plus loin dans ces différents secteurs qui impactent directement l'homme. Et si vous voulez, on peut faire l'exercice régulièrement ici. On peut ouvrir le capot sur le sport, sur la santé, sur le secteur privé, sur l'artisanat, sur le développement agricole. Et vous verrez, on n'aura pas assez de temps pour parler de chacun de ces secteurs. Vous avez appris tout le boom que nous avions eu au niveau du secteur agricole, déjà encore cette année. Et tout ce qui est prévu dans le programme du candidat, il y a énormément de mesures. Je vous ai invité les Béninois à s'approprier le programme et à tirer de ce programme ce qui les concerne pour pouvoir réclamer au fil du temps, à travers une bonne veille citoyenne, comment le chef de l'État met ce programme en ma faveur. C'est quoi? Ce sera le bon exercice pour faire une évaluation régulière sur ce plateau, si vous voulez, parce que je suis très confiant en ce programme qui changera la face du Béninois. Et parlons justement du prochain mandat, on pourrait déjà penser que le prochain mandat sera placé sous le sceau de la proactivité. Il lui a fallu seulement quelques heures après la proclamation des résultats provisoires par la Cour constitutionnelle hier, je dirais ce jeudi, pour se prononcer, pour se permettre une déclaration. Et dans cette déclaration, le chef de l'État a rassuré un peu les citoyens sur son mode de gouvernance, sur sa pédagogie. Il a promis qu'il fera désormais mieux et qu'il prendra en compte, je dirais, ce qui n'a pas marché au cours du premier exercice, au cours du premier mandat, pour corriger le mandat qui s'en va commencer les tout prochains jours. Mais au-delà de cette promesse, que dire des réformes politiques? Le chef de l'État, à travers cette intervention, a fait preuve d'une grande humilité. Si vous l'avez bien suivi, vous aurez constaté qu'il a fait preuve d'une grande humilité malgré... toute la fougue, toute la dynamique qu'il a insufflée à notre économie, à notre social, à chaque pan de la vie nationale, il a trouvé qu'il est perfectible et qu'il va s'améliorer, qu'il va faire des choses encore mieux en vous écoutant un peu plus. C'est fait preuve d'une très grande humilité. Il n'a fait que confirmer le caractère humain. Il n'est pas Dieu. Et c'est très bien. Voilà. Et c'est cet exercice qui va nous permettre, à partir de 2021, qui va commencer, le mandat qui va commencer, vous allez voir, c'est cet exercice itératif qui lui permet d'aller de l'avant chaque fois. Il a dit, il a été surpris par le temps, tellement il avait de grandes choses à faire, qu'il s'est retrouvé en 2021 pour dire, mais attends, il y a encore beaucoup de choses qui restent à sortir de terre. Vous le savez, le péager jusqu'en 2021, le contenu, vous ne voyez pas encore. La surprise du temps. Et cette fois-ci, il a dit... C'est cette réponse à cette volonté de pouvoir faire le job en 5 ans qu'il évoquait tantôt. Oui, et il a dit, c'était comme un échauffement. Il a pris ses marques. Et vous verrez, le prochain mandat, ce sera un mandat... qui ira sur des chapeaux de roue et qui permettra d'aller encore plus loin. Vous parlez des réformes politiques.
les réformes politiques. Les vraies sources de tension entre. Je ne sais pas si on va peut-être en prendre quelques-unes, mais les réformes politiques participent de la résolution de problèmes politiques que nous avons. Le système partisan au Bénin. Mais elles en ont autant créé qu'elles en ont. Mais évaluons, capitalisons, apprenons. À partir des leçons apprises, on dit ok, on capitalise ce qui est bon, on le garde. Ce qui nous semble perfectible, on met les éléments de perfection dedans. Et ce que d'aucuns pensent n'est pas bon, on va analyser ensemble. Et si vous prenez toutes ces réformes, vous allez voir que chaque réforme politique engagée depuis 2016 a servi à résoudre un problème que la Constitution ou les tests politiques posaient. Si les acteurs politiques veulent être sérieux, ils doivent reconnaître qu'il y a une avancée dans notre démocratie sur le plan de ces réformes. Okay. Il convient de revoir la pédagogie. Je suis d'accord qu'on peut regarder un certain nombre de choses. L'applicabilité. L'applicabilité, c'est à la mise en œuvre qu'on peut avoir, qu'on a vu quand il y a quelque chose qui ne tourne pas. Très bien. Faisons des propositions. Laissons ceux qui ont été mandatés par le peuple opiner dessus. C'est là que je ne suis pas d'accord avec les assises nationales. Je suis d'accord avec le chef de l'État qui dit, mais on s'assoit avec qui? Elle dit, toutes les forces vives. Si on est tous là, est-ce que la nation. Attendez, est-ce que les chasseurs vont s'asseoir? Les chasseurs disent, non, pas les chasseurs. Pas les chasseurs, on peut. Simulez-moi une assise, s'il vous plaît. Vous voyez qui au niveau des assises? Vous allez voir des gens qui ont des problèmes avec la justice et qui ont fui ce pays. Il y a des gens qui ont des problèmes avec la justice et qui sont en prison, qui ont été mis sous mandat de dépôt. Oui. Vous êtes d'accord? Il y a des gens qui ont eu des problèmes avec la justice et qui sont mis sous mandat de dépôt et qui sont même très proches du gouvernement. Il y a d'autres qui ont fui. Vous voulez imaginer que autour d'une même table, je crois qu'autour d'une table, les gens qui doivent s'asseoir doivent appartenir à un même championnat. Ils doivent avoir les mêmes légitimités et pouvoir discuter d'égal à égal. Si ceux qui ont démontré, de par leur manière de voir la démocratie, des éléments de violence, moi je ne crois pas que ces gens soient acceptables sur une table. Ils n'ont pas le sens démocratique. Ils ont perdu le nord démocratique. Et s'ils ont perdu ce nord, je crois qu'ils doivent retourner à l'école de la démocratie, s'imprégner de nos tests et s'amuser à jouer, à comprendre ces tests pour que déjà en 2023, ils montrent leur bonne foi. Et si le peuple est d'accord avec leur manière de voir, les débats se feront là où les débats se font, au Parlement. Mais décréter des assises nationales, ça relève des enfants gâtés de la République. Ils croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tout le monde peut se lever et demander des assises nationales parce que la balle n'a pas été posée au bon point de cornet. Il faut y voir la nécessité. Il faut y voir la nécessité de ces assises et les vouloir aussi ouvertes possibles. Sans un jeu de classe. Non, c'est pour régler quel problème, les assises nationales? Pour faire ce que vous savez, vous connaissez bien la nécessité de l'exercice dont nous parlons. Monsieur le journaliste, les assises nationales vont servir. Du premier gouvernement de Patrice Talon, quelles peuvent être les attentes des citoyens en quelques petites minutes? Parce que c'est complètement terminé. Oui, en fait, les attentes des citoyens, les citoyens. Pour le premier quinquennat, le chef de l'État leur avait dit qu'on va serrer un peu la ceinture, on va construire le pays, on va faire des réformes, on va faire des infrastructures. Voilà. Pour ce nouveau quinquennat, ce sera beaucoup plus, comme je l'ai dit tantôt, les attentes de la population, c'est beaucoup plus une meilleure amélioration de leurs conditions de vie, de leurs conditions d'existence. Le chef de l'État a déjà, dans son nouveau programme, prévu une batterie de mesures, une batterie de programmes qui vont permettre à chacun d'aller de l'avant, que ce soit les artisans. C'est pas des promesses électorales. Le problème avec le président Patrice Talon. Je veux dire. Non. Le président Patrice Talon n'est pas dans la logique de regarder bien le programme du candidat Patrice Talon en 2016. Regardez le contenu du PAG. C'est un projeté orthogonal. C'est l'image. Donc, c'est ce qu'il a dit dans son programme de société qu'il a transcrit dans le PAG. Il faut bien regarder les deux. Et vous verrez, prenez un exemplaire de ce nouveau programme du président Patrice Talon et du duo Talon-Talata et regardez comment ce sera projeté dans les prochains
programme d'action du gouvernement décliné décennalement et décliné sur quelques années. Il a dit au cours de sa déclaration le jeudi dernier, que après la proclamation de la Cour constitutionnelle, que voilà, que le gouvernement qui est là restera en place. Ne pensez-vous pas qu'il vient là de... C'est votre interprétation? C'est pas mon interprétation. Il a dit, je vous convie encore à suivre la belle déclaration du chef de l'État après les résultats de la Cour constitutionnelle. N'est-ce pas là une manière de lancer le jeu des classes, le jeu des promotions, et comment pourra-t-il remercier à sa juste valeur toute cette grosse classe politique qu'il a eue pour soutien? Le chef de l'État ne remercie pas les gens en les nommant. Non, ce n'est pas ça. Il a toujours misé sur la compétence, n'oubliez pas. C'est aussi. Ce n'est pas parce que vous criez le nom du président Patrice Talon que vous serez bombardé à un poste. Il ne fait pas de la fantaisie. Il n'est pas un sentimentaliste. Mais si vous en avez crié, que vous en avez les moyens, que vous en avez les compétences. C'est un tailleur de développement sur mesure, et vous le savez. Tout ce qu'il fait, c'est sur mesure. C'est très bien fait. Et ça allie abnégation. Voilà que la famille politique de la mouvance s'est agrandie et que la confiance a été encore... Vous voulez qu'on ait un gouvernement d'un millier de personnes? Non. Le chef de l'État a misé sur l'assainissement des finances publiques, hein. Et l'amenuisement du train de vie de l'État. Et dans ce cadre, vous savez très bien qu'il va faire... C'est complètement terminé, monsieur Igor Routondi, monsieur le directeur général de l'agence des petites et moyennes entreprises, Alexandre Ouédioclounon, en deux petites secondes, votre mot de la fin. Non, je voudrais remercier Eden TV pour m'avoir donné cette occasion, remercier la population pour le calme, remercier tous les militants, tous les camarades de l'Union progressiste et de l'école de Patrice, et enfin souhaiter bon vent au nouveau mandat du président Patrice Talon. Merci. Et l'inviter à nous faire maintenir le cap. Merci. Je vous retrouverai très bientôt pour le même exercice sur d'autres sujets. Monsieur Alexandre Ouédioclounon, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'agence... l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises du ministère du même nom, en quelque sorte. Tout à fait. C'est du ministère des petites et moyennes entreprises, la promotion de l'emploi. Voilà. Merci de votre disponibilité. À très bientôt. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro de Dimanche Politique. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, dimanche 11h, rediffusion 21h.